Donc je me suis levée vers 9h30, 9h30, n'importe quoi. 7h30, normalement je me lève à 6h, mais là, déjà c'est dur. Vu que les filles elles sont en train de dormir sur le canapé, j'ai pris mon petit déjeuner. Et je vais regarder Plus belle la vie. Et là il y a la super queue, donc comme à chaque fois il y a de la pub tout le temps. Genre ça te coupe en plein milieu d'un truc, genre Plus belle la vie, genre le truc t'as trop envie d'avoir après. Là ça te coupe et. Je saurai plus tard. Coucou, donc il est 8h40, je suis prête. Faut que je ramène mon petit déjeuner en bas et que j'aille me chercher un petit dessert parce que je me suis fait mon plat mais pas le dessert. Et puis voilà, je vais y aller. Donc aujourd'hui, ménage, encore une fois, je fais ménage jusqu'à dimanche et je fais 9h-17h. Aujourd'hui, je suis toute seule au ménage, demain aussi. Par contre, samedi, dimanche, je suis pas toute seule. Enfin, c'est là où il y a genre le plus de personnes, quoi. Voilà. Ah, il est 17h10, je vais enlever mes lunettes. J'ai fini le boulot, je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je trouve que cette journée elle est passée assez vite, franchement ça va. Bon, il n'y avait pas hyper beaucoup de monde, mais juste assez pour m'occuper. Juste à la fin, je savais pas trop quoi faire. Et là, il y a un petit garçon, je ne sais pas, qui a fait pipi dans le. Vous savez, il y a un truc spécial bébé, genre t'as un WC tout petit, table allongée et tout. Et genre, même pas les parents, ils m'ont prévenu pour que je puisse nettoyer. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des gens qui arrivent après, ils marcheraient dans la piste, super. Enfin, je sais pas, il y en a une, il renverse un café, le minimum, genre, c'est de venir nous prévenir, au moins prévenir ceux de la caisse, ce qui nous préviennent, nous, au ménage, quoi. Enfin, bref, voilà le non-respect. Bref. Voilà, je vais rentrer chez moi. Je viens d'arriver et puis vers 18h, donc dans genre 20 minutes, non n'importe quoi, je sais même pas compter. 40 minutes, il y a mon copain qui vient, donc peut-être que je filmerai pas trop. Enfin, je pense que je vais pas trop filmer cette soirée, voilà. Je crois de garder des choses un petit peu privées. Donc du coup, je me demande si ce vlog sera très intéressant et du coup, ça se trouve, je le mettrai que après-demain et pas demain. Je vais voir. Là, il est 18h40, ça fait depuis que je suis rentrée. Presque 20 minutes que je cherche mon téléphone, j'ai essayé de le géolocaliser. Et là il le trouve plus, pourtant je l'avais dans la voiture, j'ai fait un snap ça c'est sûr. Donc il est quelque part chez moi, j'ai cherché dans la voiture là où je le pose tout le temps. J'ai cherché sous les sièges, j'ai pas trouvé, dans mon sac il y a rien. Et il me semble pas l'avoir pris, l'avoir posé en rentrant, mais je comprends pas. Ça me saoule, heureusement j'avais déjà tout dit à mon copain quand on se voit et tout. Mais je vais regarder là dedans, si jamais qu'il soit parti dans un sac. Oui parce que j'ai reçu ma commande mini pour ça. Voilà. 18h11, je l'ai retrouvé, donc en fait j'ai sorti la voiture, je me suis dit c'est plus facile, puis il y a une portière que je pouvais pas ouvrir en fait. Du coup je me dis je vais sortir la voiture, comme ça on peut tout ouvrir. Et là, Lou elle ouvre la portière que j'arrivais pas à ouvrir et il était coincé là en fait. Pouf. Et du coup bah il a plus de batterie hein. Mais bon je suis soulagée, je l'ai retrouvé parce que j'avais peur. En plus je voyais qu'il lui restait 2% de batterie et que la localisation elle voulait plus se mettre. Je m'étais dit mince, ça se trouve c'est quelqu'un, ça se trouve mon portable il l'a éteint et tout. C'était impossible qu'il le trouve puisqu'il était dans la voiture. Enfin je savais que je l'avais pas sorti quoi. Et puis en fait c'est juste que bah, dans le garage il n'y a pas la wifi. Enfin j'avais pas branché la wifi puis la 3G bof bof quoi. C'est pour ça que c'était déconnecté. Voilà. C'est tout. J'ai sorti ce petit truc, j'avais envie, faudra que je le goûte. C'est à l'ananas. Faut que je le mette au frigo. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup j'ai trop chaud, j'ai couru en plus. En fait j'étais allée poster une lettre à la mairie en passant avec la voiture. Du coup je m'étais dit ça se trouve il est tombé... Enfin, j'ai ouvert ici, du coup j'ai couru jusqu'à la mairie, j'ai revenu et tout. J'ai chaud. Du coup j'ai regardé, je sais pas si mon copain m'a envoyé des messages qu'il m'avait dit. Alors qu'il venait mais j'avais pas répondu ok ou quoi, j'avais rien répondu du tout. Et du coup bah je vais attendre qu'il se rallume pour voir. Du coup j'avais parlé d'hier là, ce truc là, cette espèce d'élastique qui s'appelait R, je sais pas quoi. Pour moi R c'est cheveux, enfin normal. Il y en a qui m'ont dit que c'était des bracelets, mais en fait il y en a qui m'ont dit que c'était des chouchous qui faisaient pas de traces dans les cheveux. Sauf que le truc c'est que j'ai essayé de le mettre hier et mes cheveux ils se sont mêlés dans les tourbillons en fait. Du coup, voilà, c'est pas cool si ça s'en mêle dans les cheveux. C'est fait pour pas faire de traces, ok ça c'est bien, mais... Coucou, donc il est 22h52, donc mon copain vient de partir et tout. Il y a moi chez nous, donc il y a ma soeur et tout là en bas, bref. Et je sais pas si vous verrez bien.
On va faire une petite bague, c'est un petit cœur, on voit pas trop. Ouais, même que dalle. Alors, c'est de l'or jaune. Et la petite pierre bleue, c'est une... du topaze. Je ne connais pas trop, mais en tout cas, c'est trop beau et c'est trop mignon. Voilà, je l'avais pas... ça faisait une semaine qu'il était en vacances, donc je l'avais pas vu. Et c'est Noéline qui l'a aidé à choisir pour la bague. C'est une très bonne conseillère, voilà. Du coup, je pense que je vais vous laisser maintenant, parce qu'il va être vers 23h, quoi. Et je vais monter le vlog et je vais dormir, je suis assez fatiguée. Et je bosse demain très tôt. Hier, je me suis accouchée à minuit, voire même plus. J'ai regretté ce matin. Voilà, je vais éviter de faire la même chose. Donc voilà, je fais plein de bisous demain.